Jérôme. Tiens, prends ce microfilm. Pose la mallette pleine d'argent et va-t'en vite. Vérifie pas si c'est des vrais billets avant. Ben non, je crois pas, non. T'as tort, hein. Sinon, la séquence d'aujourd'hui, tu la vois comment? Qu'est-ce qu'elle m'a dit, ton agent, quand je lui ai dit que je voulais t'engager aussi? Ben, je préfère pas trop savoir, ça. Attends, ça parlait de cirrhose, de varices... Bon, la séquence d'aujourd'hui, tu la vois comment? Non, Agnès, on a une répétition à faire, là. Ok, un petit peu, d'accord. Agnès, tu veux bien rester pour faire la double lumière pour Aurore? Non mais dis donc, tu vois aussi que je nettoie les doigts de pied avec ma langue ou que je chauffe la lunette des WC blanc que j'y ai? Toto, ça va aller, ça va. 30 minutes de pause pour Agnès qui éterne et qui renvoie mal la lumière. Monsieur! Agnès, fais quelque chose, je t'en supplie, là. Je viens lui faire du bouche à bouche. Ouais, vas-y. Ah. Tu crois qu'il pourrait me brocher sur quelque chose, moi? Ouais, sur du 220, peut-être. Mademoiselle, je savais pertinemment que c'était une blague. C'était une blague. Tu me déçois beaucoup, Jérôme. Tu sais bien que tu ne m'arracheras jamais les moindres renseignements devant la sœur de Beau. Devant ma sœur. Lâche-la. Allez, lâche-la, je te dis. Oh, lâche-la. Tu la lâches, je te fais un coup de karaté, moi. Ok. On va faire une pause, on est tous très énervés, là, d'accord?